régulièrement heureux, c'est d'être encore une fois dans cette salle et à cette place pour la raison même. Que Dieu vous préserve cette sensation. À ce titre, je voudrais remercier Madame Razia Beslem, directrice générale de la Bibliothèque nationale, Madame Nami Benhamour et M. Meher Saïd et tous les responsables des services de la Bibliothèque nationale. Encore une occasion pour réitérer mes remerciements à tous mes professeurs ici présents ou ceux qui se sont excusés pour diverses raisons, sachant que je ne saurais jamais les remercier autant. Cette présentation témoigne de la sympathie que me consente l'ensemble des présents et que je partage, entre parenthèses uniquement, car j'aime offrir et excéder. Je n'oublie pas de saluer la présence des personnalités importantes qui ont voulu rehausser par ce geste cette modeste cérémonie. Je commence par Madame la ministre Nazir Abid, Monsieur Mohamed Masri, Son Excellence et honneur M. Mohamed Nasser, président de l'Assemblée nationale des citoyens. M. Kamel Morgiel, Son Excellence M. Kamel Morgiel, l'ambassadeur et le président du Parti Al-Moubadala. M. Aziz Ben Rachour, ministre de la Culture, ainsi que de l'autre côté, une autre importante personnalité en la personne de Serge Zéjatri, qui est mon propriétaire, dont je suis le locataire, là où vous pensez. Que pourrais-je dire? Concernant la présentation du deuxième recueil, je voudrais dire un mot pour ceux qui sont là et qui n'ont pas pu venir la dernière fois. Au terme de cette discussion, si on trouve le temps, je vais lire quelques poèmes à leur intention, des poèmes qui les concernent. Si vous permettez, chaque fois que je présente mes essais, je ne manque pas d'évoquer un problème qui me tenait à cœur et pour lequel j'ai la poésie. Qu'est-ce que la poésie? Ce que je vais dire, vous n'allez pas le trouver dans vos livres en tant que professeur de certification, mais ce que je ressens et que je veux partager avec l'auditoire. La poésie, pour moi, c'est une catharsis. Nous avons un médecin, c'est un terme de la psychothérapie. Et en littérature, c'est la libération, la délivrance, le défilement, etc. Donc, pour moi, quand je prends des médicaments du cardio, parfois, un poème résout ce problème et je passe à la vie normale. La poésie me permet, premièrement, de vivre l'antagonisme, la rivalité, la concurrence, même le pugilat que je pratiquais, de passer sur ce qui n'est pas essentiel, entre parenthèses, pour moi, et l'oublier. C'est qu'elle est très chère, la Hazrat Fille. Pugilat, ce n'est pas une métaphore. Hein, c'est... Non, Pugilat, c'est la marche. Et le fait de descendre du ring et en embrassant l'adversaire que vous êtes, non pas vainqueur, mais vaincu, ça c'est peut-être à cause de la poésie, en tout cas. La poésie m'interdit, alors, ou interdit aux vrais poètes,
de dire qu'il est poète ou de s'afficher qu'il est poète. Appeler un recueil, recueil de ma poésie ou mon recueil de poésie, etc. Organiser des shows, comme ce qui se passe maintenant. Moi, j'ai connu de ma vie trois ou quatre grands poètes tunisiens, arabophones et francophones. Personne n'a fait une soirée poétique. Ça, je sais pas. Maintenant, ça devient une mode. Et ce qu'il débite, c'est pas de la vraie poésie. Grâce à Eden Afri, avec une guitare. De vendre leur, entre parenthèses, enfants, j'ai écrit comme ça, de vendre leur livre. C'est ma troisième publication et nous avons un imprimeur et un éditeur. Combien? C'est pas 3 000, non, mais 400, mais le bien. Et je distribue le reste pour ceux qui aiment la poésie. Et dans chaque recueil, il y a une herméneutique. L'herméneutique, c'est-à-dire un ajout, une explication dans laquelle je parle, soit pour définir des termes poétiques qui sont difficiles ou rares, soit de délivrer quelques réalités sur le modernisme, le modernisme de la poésie française par rapport à ce qui se passe pour la poésie arabe. Qui, j'ouvre une très petite parenthèse, la métrique, j'ai fait. C'est une métrique qui se compte sur le doigt. La poésie arabe, ce sont des partitions musicales. Faroulum, 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 Faroulum. Est-ce qu'on a au moins de. Cette valeur-là, on peut oser dire que j'ai fait un poème en prose. Le français peut le faire, parce que parfois, c'est pas moi, Jules Verne a une prose qui est parfois pour moi plus convaincante que la poésie, plus poignante que la poésie. Bon, je. Bon, la dernière, c'est une thérapie. Hein. D'ailleurs, moi, j'appelle essai, et on trouve, nous avons un grand maître de la médecine, on parle d'essais thérapeutiques. Donc, pour moi, ce sont des essais politiques. Merci beaucoup. Je suis très honoré de vous trouver ici, et que tu aies pensé à moi pour cette présentation, et c'est pas la première, c'est la deuxième présentation d'un deuxième recueil en français, mais le troisième. Il a écrit 3 recueils, un recueil en français, un recueil en arabe, et là on a un troisième recueil, donc de poésie. Et pour les deux occasions où c'était une présentation en français, Cicel m'a fait l'amitié et l'honneur de penser à moi pour cette présentation. Je suis vraiment, vraiment content. Alors, tu as touché tout à l'heure des points qui me sont très, très. Très cher et très sensible, quand tu as parlé de poésie, quand tu as parlé de métrique. Moi, j'ai connu Cicel dans le cadre d'un cours de métrique, de versification. Et c'était il y a très très longtemps, hein, j'étais un tout jeune professeur, et comme tous les jeunes professeurs, j'étais un peu, comment dire, intégriste, salafiste, donc très normatif, extrêmement rigoureux avec le temps, bon, les choses ont changé. Mais à l'époque, vraiment, la poésie pour moi devait être métrique. Il a touché un point qui m'est très cher. En fait, la poésie française est une poésie pauvre, métriquement. La métrique française est pauvre. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'arrête, etc. Alors que quand on la compare avec la poésie latine, par exemple, la poésie arabe, évidemment, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe, qu'il s'agit de pieds, d'un jeu entre les syllabes longues et les syllabes courtes, dans le cadre de moules métriques
extrêmement rigoureux. Alors qu'en français, c'est 1, 2, 3, 4, et puis il y a une césure, et on continue, etc. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup frustré les poètes français. Ça les a frustrés. À telle enseigne que certains poètes du XVIe siècle, bon, je vais vous rassurer, vous, je ne vais pas faire un cours de poésie, mais certains poètes du XVIe siècle ont dit, bon, il faut qu'on imite le modèle latin, la métrique latine. Et donc, ils ont comme ça inventé des syllabes longues, des syllabes courtes, avec un jeu très complet. Ça n'a pas marché. Il y a eu Ronsard qui a fait quelques essais, mais ça n'a pas marché, parce que c'est artificiel. Ce n'est pas la vraie langue. Mais en fait, ce que je voudrais qu'on retienne en ce qui concerne la poésie française, c'est que c'est une poésie extrêmement liée à la musique. Avant, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire, la poésie était chantée. La poésie était chantée. Tout à l'heure, ici, il y a beaucoup de rondo dans le recueil de Ciel, beaucoup de rondo. Mais en fait, le rondo, à l'origine, c'était une danse qu'on faisait en rond, qu'on dansait en tournant en rond. Donc c'était un rondo. Le sonnet également, c'était une organisation, non pas seulement des vers, mais de l'espace où on danse. Dans les ballades, par exemple, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle l'envoi, à la fin, et ça commence toujours par prince. On se dit, ah, c'est le prince, on s'adresse... Non, non, le prince, c'est le maître de cérémonie, le MC, hein, le maître de cérémonie, celui, le maître de la danse. Allez, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. Et on fait le tour comme ça, et donc, à la fin, on s'adresse au prince, au maître de la danse, pour qu'on continue. Et si, en français, par exemple, il y a une alternance entre les rimes masculines et les rimes féminines, c'est également en rapport avec la danse, parce que ça permet d'équilibrer, de trouver cette danse-là. Et cette danse-là, on la trouve dans la poésie. Je ne sais pas si tu es un bon danseur, hein, mais on la trouve dans la poésie de Sèvres, il dit. Il y a ce sens du rythme qu'on trouve partout. Donc, la différence qu'il y a entre le premier recueil et le troisième, c'est que dans ce troisième recueil, Sèvres s'est donné un défi. Il dit, je vais écrire d'une façon stricte, donc en respectant rigoureusement la métrique. À certains moments, enfin dans certains poèmes, il met le nombre de syllabes ou de pieds. Il dit là c'est 12, là c'est 8, etc. C'est évidemment un petit clin d'œil ironique pour montrer qu'il est en train de faire quelque chose en fonction d'une norme. Hein. Et donc, et il s'y est tenu. Ce n'est pas facile de respecter dans le détail cette poésie. On le voit, d'ailleurs, je ne vais pas beaucoup vous embêter dans cette présentation, mais je voudrais vous lire, comme ça, à ma manière, certains poèmes où on sent cette parfaite maîtrise de la poésie française, poésie y compris dans ses côtés les plus formels. Mais heureusement pour nous, ça ne s'arrête pas au niveau du formalisme, parce qu'il y a un univers poétique extrêmement dense dans ces poèmes de Sèvres-Inutine. Et il en a parlé un peu tout à l'heure, il parlait des essais de thérapie. Parfois, on lit un poème, et puis à la fin, il nous dit « Hôpital militaire de Tunis, voilà, les médecins vont arriver. Bon. » Donc, on sent bien qu'il y a cette espèce d'expression poétique, donc de ce combat continu pour la vie, qui apparaît également dans sa poésie. Je vais vous lire un poème comme ça, où on a ce... Voilà. Regardez. Maintenant, mon cœur. Évidemment, mon cœur, c'est un poncif poétique, c'est un mot. Mais en fait, le cœur, c'est aussi quelque chose qui intéresse les médecins. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on va comprendre ce poème. Alors, je vais essayer de lire. Ça s'appelle « Maintenant, mon cœur ». Laisse-moi dire ma passion sur Apollon. Quant à la plage, je t'évite de rôtir durant les copieuses veilles de t'endormir. Et quand il neige, je te couvre d'édredons. Laisse-moi te dire, la flûte séraphine hume l'odeur, la terre exhumant la chaleur de l'été, assoiffée sans faillir au labeur, son rêve, vivre sa saison et son doux spleen. Oui, je t'avoue, j'aime la pluie, ciel gris et cumulus grondant. Toi, tu chérissais l'incipit et les naissances, tu négliges leur fin, l'ultime évanescence,
de grâce. Quel plaisir dans le départ et, les joies, et la joie qui part. D'où vient l'angoisse qui t'étouffe et m'empoisonne? Votre saison t'éprouve et ton corps, cœur, te sépare. Et puis, ces mots terribles. Depuis, stoïque, j'attends que le glas pour moi sonne. Hôpital militaire de Tunis, le 19 septembre 2014. Température 45 degrés. Voilà. Donc, il y a une espèce de choc qui nous ramène à une réalité, la réalité d'un corps humain, d'un corps fragile, qui se bat donc contre la maladie et qui, l'une des armes qu'il a choisies, c'est évidemment la poésie. Mais il n'y a pas que ce type de poème dans la poésie de Salim Zinedine. Il y a aussi cette profonde nostalgie pour une cité qui n'existe plus ou qui n'a plus le même nom. Hein. Et il y a toujours ce retour vers un passé très lointain où il y avait un lac et où on se baignait dans ce lac, où il y avait des plages dans ce lac. La plage Rando, hein, pour ceux qui reconnaissent, et cette ville qui n'existe plus sous son nom de Ferryville, qui est devenue Manzel Bouguiba, et évidemment, il y a une espèce de coupure, de déchirure absolument terrible pour ceux qui ont connu le Ferryville des années 50 et peut-être début des années 60, je ne sais pas quand ça a changé. En fait, on se rend compte que ce n'est plus du tout la même ville. Hein. Ce n'est plus la même ville. Ce beau lac extrêmement clair dans les eaux était limpide est devenu un lac pollué. La plage de Rondo est devenue un tas d'immondices où malgré l'effort louable de certains militants écologistes dans la ville de Manzel Bouguiba, évidemment, le combat est tout à fait désespéré. Et là, dans certains poèmes de Salim Zinedine, on a cette nostalgie pour cette ville de l'enfance, hein, ou pour Jules Verne, le collège, l'école, c'était l'école Jules Verne, hein, l'école primaire, hein, une fin des cours à Jules Verne. Et évidemment, il y a toujours dans cette édition des explications extrêmement précises. Il y a des notes très, très pédagogiques. Donc là, Jules Verne, bien sûr, école laïque, Jules Verne à Ferryville, 1961. À 5 heures, Monsieur Blanchard sonne la cloche. L'heure de la sortie des classes pour ce jour. C'est le début d'une vie, autre qu'un retour du cartable qui change d'ailleurs en sacoche. Place des Prates. C'est notre destination. Aux alentours, des fumées blanches nous appellent. Les marrons chauds aux abords nous interpellent. Un marron pour goûter, le cornet de ration. Voilà. Par ce vent frileux d'octobre, seules les feuilles jaunes, marron, entament leur danse macabre, bien assis sur le banc à l'abri des arbres. Notre attention porta alors sur la troupe de soldats marins ayant le vent en poupe, les marrons limités au spectacle, son seuil. Voilà. Je trouve très très beau. C'est un sonnet, hein. C'est écrit sous la forme d'un sonnet, c'est-à-dire deux quatrains et deux tercets, donc dans une structure très classique. Et on a la description d'une journée à une école primaire, retour de l'école primaire, les feuilles d'automne, et puis des fruits qui n'existent pratiquement, les marrons. Avant, c'était notre enfance, c'était les marrons, marrons fous, hein, marrons fous qu'on trouvait un peu partout, mais qui ne. Bon, évidemment, on peut les trouver de temps en temps, mais c'est quelque chose qui caractérisait l'automne. En Tunisie, enfin, en tout cas dans les années 50-60, c'était l'automne, c'était les marrons chauds avec les. Et en fait, il va jouer sur les couleurs de l'automne et la couleur du marron. C'est cette fumée qui sort et c'est cette soif de l'enfance, hein, ce retour à l'enfance, c'est absolument extraordinaire. Quelques petits flashs, en respectant tout à fait les règles de la métrique,
celle de Zinedine va retrouver, en quelque sorte, un monde perdu, non seulement celui de son enfance, mais celui d'une ville qui n'existe plus en tant que telle, hein, qui a totalement changé. Il y a une espèce de double nostalgie. Hein. C'est pas seulement on a tous un passé, on a tous une enfance, mais là, une enfance perdue. C'est un pays où, qui a tellement changé dont on ne reconnaît plus les côtes. Voilà. Donc il y a beaucoup de nostalgie dans son poème. Je parlerai des heures de la poésie de Salah Zeddine. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'humour, il y a aussi de la politique, il y a aussi de l'engagement. Hein. Il parle de la révolution tunisienne. C'est absolument avec un regard critique. Je parle sous l'autorité de M. le président de l'Assemblée, mais il y a aussi dans la poésie de celle de Zinedine, de regard critique sur ce qui est en train de se faire. C'est quelque chose dont il a suffisamment de recul pour constater qu'il y a quelque chose de faussé dans tout ce jeu qu'on appelle révolution. Et certains poèmes sont vraiment... je ne sais pas, je n'ai pas marqué le poème où tu parles d'un... Je me rappelle plus très bien quel est le poème où tu parles vraiment de cela. Mais avec beaucoup, beaucoup d'ironie, avec... Et voilà, 5 ans ont passé, etc. J'ai le même âge que Clinton. Non, je ne me rappelle plus. Je ne pourrais pas trouver comme cela. J'ai oublié de marquer. De... Ah, oui, il y a beaucoup de poèmes sur le... Oui. Mohamed Ali Idriss. Non. Nous enseignons le romantisme à la première heure de la première journée de la première année de l'enseignement supérieur, le romantisme européen. Donc, avec, pas astuce, mais en changeant les mots dans les mêmes formes, comme pour que c'est pas moi, quelqu'un vous fait du mal, au lieu de, par contexte, de citer, pour le baccalauréat. C'est notre faute. Oui. Moi, ce que j'ai fait avec ces gens-là, quand j'ai dit le grand mot que j'ai dit de celui que le ministère de la culture me chargeait de voir ce livre avant de passer à l'impression, c'est le gars. Il a parlé du contraire, si vous voulez dire ce qu'il a dit. Oui. C'est que je suis un profond nationaliste et que j'ai toujours. Une impression que rien ne va durer, un optimisme très large, peut-être, après ces témoignages. Ah, au début. Alors, je vais lire le témoignage de Mohamed Kamel Gaha, voilà. Sonner au gré du sort, le sourire d'un homme de bonne volonté. J'ai toujours eu pour les hommes qui honorent la vie, dans la souffrance. Ah oui. J'ai toujours eu pour les hommes qui honorent la vie, dans la souffrance comme dans la peur et le regret, en ne se départant jamais de la dignité du vivant et en refusant de sombrer dans la débâcle des sentiments ostentatoires et le déballage des lamentations faciles, un respect incommensurable et une reconnaissance profonde, surtout quand la conscience de leurs propres limites et de leur finitude s'accompagne du léger sourire ironique de celui qui ne sacrifie jamais son intelligence et son sens de l'humain sur l'autel des peurs paniques et des Apocalypse de pacotille. Salah Zinedine nous a toujours semblé égal à lui-même, homme au sourire franc et généreux. Regardez-le. Hein. Altier sans arrogance, convivial sans familiarité, et toujours soucieux d'adapter son port et sa posture aristocratique, dans son beau costume blanc, hein, ça se voit bien aujourd'hui, hein, sa posture aristocratique à sa bienveillante intelligence des hommes
et des situations, avec un sens aigu du devoir, un sens qu'il met au service d'un État et d'une partie. C'est écrit patrie, hein. C'est écrit patrie, oui, patrie, c'est pas. Et d'une patrie auquel il voue une passion sans partage. Son deuxième recueil de poésie est le reflet de ce profond sens de la dignité de l'humain dans sa fragilité même, et de son éthique exemplaire, qui est à mes yeux aussi une esthétique. Saluons ce chant humble et exigeant d'un amoureux de la vie qui sait qu'elle n'est qu'un cadeau précieux et éphémère, mais aussi d'un patriote qui se souvient et qui ne désespère pas de voir la Tunisie se réveiller de son cauchemar, plus belle et plus sereine que jamais. Un patriote, c'est important. Et donc c'est signé Kamaldine Gaha, Mohamed Kamaldine Gaha. C'est vrai, c'est un hommage extrêmement important et qui a bien cerné le personnage en quelques traits, à la fois son aristocratie, son élégance, son humour, son sens de l'ironie aussi, et ça se voit bien. Je voulais retrouver le poème sur la Révolution, je n'ai pas le retrouvé. La Révolution des livres. Allez. La révolution divine. En l'an où le printemps suit l'hiver, vous dites, quelle la palissade ! Par ce temps de revers, maussade, quand le ciel se mettra de travers, vous tombe, sommé ou par devers, en plein, vers Sacrum Maius, en plein, en l'an où le printemps suit l'hiver, l'hiver avec ses froids, ses gardes, ce fond, fauche céréales en grains, fourrage moissonné et hagard, c'est la détresse campagnarde quand le ciel se mettra de travers. Avec un, c'est un rondeau là aussi, hein, c'est un rondeau, donc avec une répétition du premier vers à la fin qui donne hein, un refrain, une espèce de refrain qui donne. Son allure à ses poèmes qui ont disparu au XVIe siècle. Hein. Il aura fallu attendre Selmzinedine pour remettre à la mode des genres poétiques qui ont totalement disparu. Rondeau, bon, sonnet peut-être il reste encore, mais enfin, pour les autres genres poétiques, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est bien de les avoir trouvés. Voilà. Donc je ne sais pas comment. Merci. Les sonnets, je me suis donné un contrat envers moi-même d'écrire dans toutes les formes du 16e et du 17e. Et vous trouvez, comme vous dites, un signe, vous trouvez par exemple un sonnet de 9, un sonnet de 11. C'est celui de Pierre Gémeaux, de traduire. Donc, j'ai essayé de reproduire la poésie française de cette époque. Et ce sont des formes difficiles. Oui, la stylistique, c'est pas évident. Oui. Mon professeur a anticipé sur le quatrième recueil, ce qui reste du bon, bien sûr. Où je vais parler du Verlet, du Ballade, de la Ballade. Et des autres formes mineures par rapport au sonnet et au rondeau. Donc, je reviens à tout. Le rondeau, c'est pour imiter Bahraram. C'est une petite musique de Touré à Sarai. Alors, nous avons 16 mètres, du plus petit jusqu'au plus grand. Et nous sommes en train de dilapider cette littérature comme on dilapide de l'argent. Une petite anecdote, c'est celle, il y a quelques-uns, a fait avec moi un mémoire de, à l'époque, c'était de métrique, et c'était sur la métrique d'Apollinaire,
qui compare les autres de Apollinaire dans ses poèmes métriques et Apollinaire dans des formes un peu plus libres. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Alors j'étais à Paris et il m'avait demandé, il dit, va à la Bibliothèque nationale, à l'Institut national d'audiovisuel, pour écouter, pour avoir un enregistrement d'Apollinaire en train de lire ses propres poèmes. Il y a quelques enregistrements. Maintenant, on tape sur Google, tac, 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 Apollinaire, hop, et on a immédiatement le document. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Et ils avaient fait une demande écrite pour avoir l'enregistrement d'Apollinaire. Ça n'avait pas marché. Alors, quand je suis revenu, il dit, je n'ai pas pu avoir l'enregistrement, mais voilà comment il a lu. Il a appuyé sur le pont Mirabeau, cool. Il a appuyé sur la croisière. Donc, j'ai essayé de lui décrire la façon qu'avait Apollinaire de lire sa propre poésie à défaut d'autre chose. Maintenant, heureusement, les documents existent, mais à l'époque, c'était très difficile de se procurer ces documents anciens. Et c'était quelque chose qui était important pour lui. Il a fait un travail remarquable sur la métrique d'un maître de la poésie moderne qui est Guillaume Apollinaire. Et il a surtout, justement, dans ses interventions, on comprend bien cela, il s'est surtout posé la question sur la poésie qui suit le code et la poésie qui est en dehors du code. Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Quand il parlait tout à l'heure du code, de la métrique arabe, je comprends ce qu'il veut dire. Il y a cette espèce de jeu, mais je te rassure, même quand on sort du code, on reste dans la poésie. Hein. Même quand on sort, quand on fait, on est dans la poésie. La poésie, c'est pas uniquement le code. Le code, c'est poétique, mais même quand on sort du code, on est dans la poésie. Il ne faut pas être sectaire non plus. Hein. C'est au contraire. Chaque fois qu'on écrit, on invoque forcément une métrique, même si on est en dehors de la métrique. Ce qu'on est en train de écrire, qui est considéré comme totalement libre, obéit en fait à quelque chose d'un terme qui caractérise le propre poème qui est écrit. Donc chaque poète qui écrit de la poésie libre est en train de réinventer sa propre métrique. Donc il ne faut pas avoir peur de la liberté. Hein. Et on peut aussi appliquer cela à la... C'est il a déjà essayé. Oui, c'est connu. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est connu au moins en 2016. Ouais. Bon, comme je l'ai promis, je vais lire quelques poèmes. Bien sûr, du deuxième recueil pour des raisons qui n'ont pas assisté ce jour-là. C'est une description personnelle de ce qui est là. الفن لا شبه لوحة لطخت لتداهي بعض الميسورات أو هتك عروض في نثر للسذاجات أو جلمود سس ثمنه وشم نحات أو سخف غريب الخلطة تردده المصادق في السائقات لما صار الفن بضاعة لبيعها هبت ذباع ودعاة ألم يكن الفن ربا شرودا تخاف الهجن وتروم الفلات أليس الفن ما ذاق الفؤاد به من صادق الحس وعميق المعاناة فتفجر ألحان عندها ونحتا ورسوما بالفرشة والكلمات الفن جميل مرن حمله لذيذ المخاض إذا ولد مات.
les arbres de neuf, c'est les gens. Ok, merci pour le. On va appeler Mohamed Dara. C'est un poème que j'ai écrit en marchant en place. هو الصبر أجل في مثل هذه السدود قتلت دامع العين محمدا أنا بالسلام المفقود لم يحنك الأب ولا العرب بكثرة الوعيد والوعود لو كنت من غير هذا الجنس المهزوم ما حاولتك اللغوة à cause de ce mot-là, j'ai failli perdre le recueil. لو كنت من غير هذا الجنس المهزوم ما حاولتك اللغوة بر عمر قصفته قصرا ثبت يد اليهودي الحقود شرذمة قهرت ملايين العرب لما ذاك وفاقهم المنشود استنكروا لموتك بل استشاروا فلهم في العويل عهود كم استشهد من قبلك محمد فهل قتل بعدهم جنود فمتى يسأل العرب النحيب ويترك الخنوع والتنديد. Je fais vite parce que je sais que l'assistance a un temps très précieux. La Rubaïette revient. La Rubaïette de quatre vers avec même rime et quatre vers avec une autre rime. رباعية الربيع شعب بسيط بسيط حقر أنا له نبل وما أدرك الكنه ولا عنه اختبر جفاه الذكاء وحب الرياء وبخس العطاء عليه انتصر دهنته خطوب غزته دعاة قادته رعاة على السيمبوليزم غازته دعاة جنستال القوين كالداعي اللي جابوا لي ستيفير بقى سي با موفي معناتها جزء العامي بشكل وكل شيء مش باش نثور عباد ولا باش نعمل حاجه جو سيت اون رياليتي افيك دي ديمو بيان كوزي غازته دعاة قادته رعاة مرت كروب ولم يعتبر كم عاش عهود رخاء وفي طبيب افلام ونعم ولائم لفذ أغر وابن بانومي وعهد حزم ونبراس حكم وملجم خصم لدود نهر سيدي جاسمتي فلم يبدي للمجاهد اعتراف ولا للنظام انصاف ولا للمتحكم النصر يتيح نبيها ويولي عتيها وللظلامي يركع ويخف فلا حافظا حافظ ولا راشدا ارشد ولا رزقا بمرزوق ولا لليسار رسل او حجر. فلا دستوريا جهد ولا وطنيا طالب ولا قوميا قاوم ولا يساريا ظهر خمس مضت ولا زال تاتي يقبض ليفوق وينزوي إذا سكن يهرع للاعتصام محثم الأقفال يسرق الأموال غير آبه بالخطر قاطعا للطرقات هذا شو المشاعر غازيا للمغازات كنا شفناه حاملا للثلاجات مترنحا دون حذر حاضنا للإرهاب نشوف القرآن هائما كالسراب شديد الاستغراب يؤمن بالقدر كنت زاد أنك تقول مرة في جريدة تأديب كذا وكلمتها مش لما تدخلش وما تدخلش مدينة
يا ذات الحدود المائية، يا زهرة الماء الشديد، شمالك نهر فريد، وشرقك بحر تليد، وغربك بحيرة بركانية، وهبك الرحمن جمالا فرسمك وردة غربية، شبه جزيرة أو قلعة أو جمع مراتية بحرية، جمالك تيم كل من رآك، لكن قدره أن تراه الأعين التونسية. أتت عليك العصور وكبلتك ظهور، لأنك صرت تكلى ولم تبلغي من الكبر وقيا. مرت بك جل الحضارات وعبثت بك كل الطغاة. هبت عليك رياح النسيان فلا ملاذ لك سوى شواطئك الوفية. أين تبكين حظك وحظ شاطئ أتى عليه الفولاذ ليطفئ دخانه والبلور ماء الأزلية. وبعد الوتاس الصغير اسم الله تعالى في بشتبنات الوتاس، وبعد الكبارين بعد الناس الكثيرين، وبعد الوتاس الصغيرة في البهاء لقبك بتكساس همج رجوح وبلية، وصار غريب الدار فيك حفيدك، واستأثر بديارك طواقف ضعفية. فمجلسك لا يضم أسيرا، لكن بين قوسين زبالك مناضل ممكنة الوفية. ولا حول لي سوى أن أقدم رثاء وفية، لا أن أبكيك بصدق، وأخشى أن يكون الحزن لمنزلك مطلوب. أنا تذكرت الناس في سيتم محمد الإمام طبعاً. هذه القصيدة فاتنا فيه فاتنا. كان تبكي كبش. شو رأيك يا شيخ في ما نبات عمري ما شديت ستيل وكان مسوي هكا في كبش. روحنا لجنان. تعرفوا من الواحد كان في جنان عمل قهوة في الناس. تعرفوا كيف يبيع الفلوس. حسن. مشينا نخرج بحذاء ونتفرجوا في ال هناك، وهي تعرف انك تجيني قريحه ما هيش قريحه، تجيني هالتعبير الغسله جبت القلم قلت لي بحذاء جبت ستيل وكل شيء وخليتني حتى اللي حسيت بنعرض عينيتي بدموع في الصراحه. لكن تعمل لا شوف لكن تعمل هيك وليت في لكن المهم بالضبط جيناتي هل أمسك وهل أيأس من زخات المطر؟ تذكرتك فجأة تفاجأت مخلتي العبر، تهافت ذكرياتي توالى كاد القلب ينشطر، دفاف البحيرة من خضرها حملتني ألوانها إلى ليمون في لمح البصر، فصار النخل يهوي حتى بدت خضرته حجر. الخزمة وأخذ أكثر أخذ من فوق ومرام القطع والحجر نتاع الجناب نعرفوها من حاضرين معناتها فيه الأخضر وفيه المرام بالضبط نشوف فيه ما عادش نشوف فيه الخلف نشوف فيه الحجر. ورقص الموج بعيني أسراب تمه نسيم بين أبيض وأغر موج أبناه وليه نشوف فيه نسيم بعد أحل للعودة إليه قبل يوم. نقول لي نجم نقول لكم بارك الله فيك بالنسبه لخيالي المسؤولين ديالنا المسؤوليه الكبيره ونسيت ما عرفتش وما استقبلتش سعادة السفير الامارات اللي هو معانا منذ سفير تونس بالامارات. السورة الكريمة.